Et yo tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis, c'est David K, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le défi du Rage, avec un deck très spécial. Je fais pas très souvent les défis en vidéo, mais aujourd'hui j'ai eu envie de vous présenter un deck parce que tout simplement c'est un deck qui me plaît énormément. Le voici, alors hop là c'est les offres. Le voici ce deck, mes cartes sont pas max en mode leader, mais par contre dans le mode actuel, elles vont être max. Donc on en profite, on y va, je joue la pompe. C'est très rare, les récompenses sont très intéressantes, hein, notamment le petit token légendaire que tout le monde voudrait choper au bout de 12 victoires. On a quand même 11 000 heures à la clé. C'est non négligeable. Et écoutez, c'est parti, c'est un deck spawner. Vous l'avez compris, c'est un deck qui va vraiment essayer de mettre beaucoup de troupes. Rappelons que faut pas tout confondre. On est en rage, on n'est pas en élixir accéléré. Hein. Ça, c'est très important. Écoutez, on peut ouvrir la game. On va ouvrir la game, d'ailleurs, en posant une première cabane. Et regardez, ici on va placer directement sur le bûcheron pour counter. On est pas mal, vous allez voir. Alors on a la tour qui rentre en mode défense. Déjà, donc c'est pas mal. Ici, regardez, on va spawn à balle. Hop, la petite bûche qui va faire le travail, qui est magnifique, hein, la bûche là. Regardez, c'est parfait là, hop. Alors regardez le travail. Et ça spawn, Ça continue de spawner, et là il est complètement dépassé hein, sur ce push, comme vous pouvez le voir. On va pas chercher à étendre notre domination, on va plutôt remettre une cabane pour spawner des spires, assurer entre guillemets notre domination totale sur la game. Attention, je rappelle qu'on est en défi de rage, ne pas placer un collecteur à ce moment-là de la game, parce que t'es pas assuré que... Voilà, maintenant tu peux le mettre. Mais si t'avais spawné 10 points d'élixir de l'autre côté... ça aurait été très très chaud. Et là malheureusement pour lui c'est la tour principale qui va tomber. Regardez, c'est facile hein, c'est facile. Et c'est victoire. C'est victoire, premier match et grosse victoire. Extermination de l'adversaire. Pour le moment ça ne va pas être très très compliqué ce défi de rage. On va continuer. Oh attendez, oh j'ai vu trois cartes au début, je me suis enflammé. On va continuer un petit peu. Peut-être ça va très vite, on va faire plus que 3 matchs. Bien sûr, on va faire une série de victoires unlimited. N'hésitez pas à nous mettre des petits likes. Bien sûr, vous savez que ça fait plaisir. Hein. Regardez, voilà. Là, ça commence à être déjà un peu mieux. Bon, ok, il a pris des points. Mais nous, du coup, voilà, je rappelle qu'on est ragé. Ça, c'est bien joué. J'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais peut-être pas dû poisonner. Alors, c'est pas grave. On a 200 points d'écart. Ok, alors. Ouais, alors la BDF, mauvais choix. Hop, on va appuyer directement avec des spires. Alors là, l'avantage, c'est qu'on vient de dépop le gang. Je rappelle que je suis loin d'avoir perdu, là. Du coup, on a les spires qui vont aller gratter maintenant à chaque impact. Regardez, on va placer ça directement ici. Ici, ça va être très très fort. La machine volante, elle est merveilleuse dans ce deck. Hein. La machine volante fait un travail exceptionnel. Tout se joue sur les counters, hein, je le rappelle. Regardez, avec le travail de la tour, la sorcière qui va aller défendre en plus, un petit peu plus toujours. Et on revient dans cette game. Hein. On revient avec deux cabanes qui spawn. Oh là là, regardez le grattage. Allez, on va poisonner direct. Pour gagner un maximum de temps, bien sûr. Vous l'avez compris, là on va pas bûcher, on va remettre une cabane hein, pour assurer une grosse def. Voilà, bien vu ça, regardez les spires qui vont gratter. Voilà, et la charrette qui doit faire un excellent travail, qui va connecter. Voilà, la charrette qui connecte, c'est parfait. En plus, on va dépoper la Valkyrie. Je rappelle quand même qu'on va devoir aller chercher une deuxième tour parce que il a le fameux cochon. Donc ce cochon, on va le laisser. Nous, voilà, lui en plus, il se défausse de pas mal d'élixirs là. Donc en vrai, ça nous met plutôt pas mal. Alors ça me dérange pas vraiment. Regardez. Hop, alors la sorcière, bien sûr, là qui va être la bienvenue. Avec une autre cabane ici, on sait qu'il a BDF, mais c'est pas grave. Oh là là, en plus, oh le mauvais choix. Regardez, alors là, ragé, il faut en profiter. Hein. Ragé, charade corner. Regardez, voilà. Donc là, voilà, pareil, on a fait le taf. Ici, on va bûcher pour accélérer un petit peu la donne encore. On va pas la laisser, voilà. On va spawner des barbares. Ça fait cher la défense, mais regardez, finalement, il met qu'un coup. Hein.
Hop, on repart avec une petite sorcière. Le but, c'est d'accélérer un maximum le game, là. Regardez, les spires qui ont réussi à se débarrasser de la tour. Et une fois, regardez, une fois que ça, ce sera terminé, on va mettre charrette corner, les gars. Oh, la charrette corner doit faire très très mal. Elle connecte, elle connecte, elle connecte, elle connecte, elle connecte. 3 coups. 4 coups. On va continuer, bien sûr, de placer quelques défenses. Avec une bûche pour accélérer. C'est fini! C'est fini, les amis! C'est fini! C'est un 2-0! C'est du spectacle! C'est ce qu'on veut voir! On est très très bien, donc je vous recommande vivement ce deck. Franchement, il est ouf. Il est complètement dingue. Si vous le jouez, allez, un petit sort de rage. Cadeau, je vous l'offre. Pouce bleu. Non, alors, très sincèrement, c'est très simple. Une fois que vous arrivez à installer vos cabanes, le collecteur... On va tenter pour le jeu de le placer, mais vous allez voir que c'est assez difficile à mettre en place. Voilà, exactement pour ça. C'est exactement pour ça que j'aime pas le collecteur. C'est pour ça que j'aime pas le collecteur trop. Voilà, du coup il va tuer notre collecteur, c'est assez chiant. Bon, de l'autre côté on va lui mettre quand même un beau push, je pense. On place une première cabane. On a tiré rentable. Alors, bon, il est content, mais on a tiré rentabilité de notre collecteur quand même. Donc, ça devrait aller. Vous voyez, on est déjà avec deux cabanes. On est déjà avec deux cabanes sur l'adversaire. Donc ça, c'est compliqué pour lui. Hein. Alors, faudrait... Moi, ce qui m'intéresse, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est bien sûr de tuer la fournaise dans un premier temps. C'est fait. Ici, on va spawn à balle. Pour le moment, ça sert à rien de forcer le mouvement. C'est dommage que ça se soit tombé. Et bah, lui, il rentabilise. Hein. On peut pas dire qu'il rentabilise pas. Hop, on rejoue, tu vois. Alors, ça... Ah ! GG la charrette. Par contre, sa charrette devrait... Ah, j'espère qu'elle va rester... J'espère qu'elle va rester chez lui, sa charrette. Voilà, parfait. Allez, on va continuer de spawner, hein, de toute façon. Il faut rien lâcher sur le spawn. Faut rien lâcher sur le spawn et logiquement ça va finir par passer. Alors le poison là par contre je vais l'utiliser parce que tout à l'heure si je m'en étais servi j'aurais pu je pense tuer notre ami plus rapidement, beaucoup plus rapidement. Voilà, ça c'est très important. Faut surtout pas qu'il remette un coup. Voilà. Parfait, ça passe pas, on remet des spires. Allez, écoutez, on revient à 45 secondes, on revient. Allez, moi je remets des cabanes. Je pense qu'il a la roquette qui va nous faire quelque chose comme ça. Oh, que c'est difficile de gratter des points, là. Ah, je fais mon max, mais c'est pas évident. Oh, on pourrait revenir. Quel match! What a match! Oh, attendez, là, la full concentration, là. Vous l'avez compris, hein. La défense est bonne. Ah, j'ai préféré faire ça, c'était mon seul moyen d'esquiver, quoi. Et on gratte, hein, on gratte au spire, hein, donc dans le fond, c'est pas un mauvais play, hein. Écoutez, là maintenant, ça va être full grattage, hein. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ça va être du full grattage, les gars. Oh, logiquement, le taf est beau, là. Le taf est beau sur ça. Oh ouais, magnifique. Magnifique. Regardez, on a rajouté des cabanes. Ici, on va bûcher directement pour gagner encore un peu de temps.
Oh là 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 là, la défense, elle est merveilleuse, les gars. La défense est merveilleuse. La défense est sublime. On conserve la sorcière. Allez, poison, directement. Faut, on cherche à gagner du temps, des points, comme vous pouvez le voir. C'est là que ça va commencer à être dur. On est pas mal, hein. Oh là là, la défense qu'on est en train de produire, les amis, est juste incroyable, hein, avec ce deck. On a l'avantage pour le moment, faudrait que ça continue. Allez, il faut que je remette des cabanes, il faut que je remette des cabanes. Oh non, oh non, oh non, oh non. C'est bon. Alors, attendez là. C'est maintenant que tout peut jouer, les gars, avec la charrette. Oh là là, le barbare qui frappe pas. Pouh ! Mais quel game exceptionnel ! Mais quel game exceptionnel ! Oh là là ! A-t-on trouvé le deck juste ? Le deck tout puissant ! Le deck qui... Pouh ! Undefeated ! Incroyable ! Et on prend déjà 4000 d'or, ce qui est non négligeable, hein. Ici, on a 4000 de plus. Bon, là, c'est un... Voilà. Un petit token commun. Écoutez, les amis, je vous recommande ce deck. Il est juste incroyable, exceptionnel. Avec de la maîtrise, de la puissance, vous pouvez aller très très loin. Le collecteur reste à voir. À voir ce collecteur. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les donner en commentaire. En tout cas, ce deck, je tabasse, je vous le recommande. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle que j'ai repris les lives aussi sur la chaîne David K, sur la Nintendo Switch. Donc, n'hésitez pas. On se retrouve très prochainement. Salut, salut.